Je ne sais pas si je mettrai cette vidéo sur YouTube. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour une fois, la phrase de Nietzsche, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, eh bien cette phrase m'indiffère. Cette phrase ne fonctionne pas. Cette phrase ne me va pas. Parce que tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, certes. C'est comme ça que je le voyais. Jusqu'au décès de celle qui est ici. Qui est ici. Et qui est surtout ici, dans mon cœur. C'est-à-dire ma femme. Jusqu'au décès de ma femme, la phrase de Nietzsche, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'était une phrase que je considérais qu'elle collait à ma peau. Je considérais qu'elle était pour moi. Ou que je pouvais en faire une sorte de devise. Mais depuis le décès de ma femme, ce n'est pas du tout comme ça que je vois le personnage qui est mon personnage. Je ne le vois pas du tout sur le même angle. J'ai plutôt envie de penser à Nietzsche lorsqu'il a créé son Zarathoustra qui vit en ermite dans la montagne et dans une caverne, et qu'il s'adresse à Dieu. Vous savez, le fameux Zarathoustra, le fameux ermite qui vit en solitaire dans une caverne. Eh bien, depuis le décès de ma femme, je vis en solitaire dans une caverne. Oh, bien sûr, je suis dans la ville. Oh, bien sûr, il y a des gens autour de moi. Mais tous m'indiffèrent. J'ai plutôt envie d'être le solitaire qui vit dans la caverne et qui s'adresse à Dieu. Vous savez, l'ermite rebelle, eh bien, c'est ce personnage aujourd'hui que je suis. Ce n'est pas celui qui prenait pour lui la phrase « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort », non. Celle qui est partie, eh bien, elle ne me rend pas plus fort. Rien ne me rend plus fort depuis son départ. Rien du tout. Alors que le personnage, l'ermite qui vit dans une caverne et qui s'adresse à Dieu, j'ai envie d'être ce personnage. J'ai envie de m'adresser à Dieu et de lui dire, il paraît dans les Écritures, mais les Écritures sont-elles vraies, ces Écritures, hein? Sont-elles exactes, ces Écritures? Il paraît que dans les Écritures, il est interdit de partir avant l'heure. Quelle heure? L'heure décidée, choisie, par qui? Par qui? Par qui? Par quoi? Non. Non, 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 ce n'est pas comme ça que je vois la règle du jeu. Je vous le répète, j'ai plutôt envie d'être le personnage, l'ermite qui vit en solitaire dans la caverne. D'ailleurs, je vis en solitaire depuis son départ. Et j'ai envie d'être ce personnage un peu rebelle, ou peut-être même beaucoup rebelle, qui s'adresse à l'Éternel et qui lui dit soit, d'accord, j'accepte la règle du jeu jusqu'à là. Tu as décidé que ma bien-aimée devait s'en aller avant l'heure, que ma bien-aimée devait partir, que la maladie devait l'atteindre. Tu l'as décidé. Ou tu ne l'as pas empêché. Je ne sais pas, au fond. Et bien, moi, j'ai envie de la rejoindre.
J'ai envie de la rejoindre, j'ai envie de la rejoindre. Et je ne sais pas si dans les Écritures, il est quelque part écrit que c'est interdit, qu'il ne faut pas, qu'il faut attendre, que la religion interdit le départ avancé. Avancé. Ce n'est pas une avancée. Alors voilà, je m'adresse à toi comme Zarathoustra, l'ermite dans la caverne, s'adresse à Dieu, s'adresse à l'Éternel, et qui dit qu'il est plus fort que Dieu, ou quelques paroles comme ça. Moi, je ne dis pas que je suis plus fort que Dieu. Je ne dis pas que je suis l'égal de Dieu. Non, non. Je dis tout simplement à Dieu, ma femme a eu une maladie qui l'a emportée. Eh bien, permets-moi de m'en aller sans autre retenue. Permets-moi de partir aussi. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Tu n'as pas empêché son départ. Tu n'avais d'ailleurs pas empêché son départ. Tu peux pas t'opposer au départ de tous les humains, soit, mais accepte le départ que mon cœur a envie de faire. Accepte ce départ. Parce que j'ai vraiment, je ne sais pas combien de fois je dirais vraiment, envie de m'en aller. Vraiment. La vie m'est insupportable sans celle qui était là à côté de moi, sans celle qui m'a suivi depuis tant d'années, sans celle qui était ma moitié, sans celle que j'aimais plus que tout, que je respectais à ma façon, même si des fois il y avait quelques débordements. Mais ça fait rien. Je l'aimais plus que tout. Je continue de l'aimer d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là. Au contraire, cet amour est encore plus fort. Alors, je ne sais pas si tu existes ou pas. Personnellement, je suis agnostique. J'ai toujours été agnostique. Je ne sais pas s'il existe Dieu. Je ne sais pas s'il existe l'Éternel. Je ne sais pas s'il existe le Tout-Puissant. Je ne sais pas si c'est vrai que l'Éternel, Dieu, le Tout-Puissant, dans les Écritures, il serait dit que l'on ne peut pas partir avant l'heure, que c'est pas à nous de choisir, qu'on est puni si on choisit, j'en sais rien. La punition, je sais que je l'ai déjà. Je sais que je la vis depuis le jour de son départ. Je le sais. Alors, de l'autre côté, je ne sais pas. Je sais aussi qu'ici, elle n'y est plus. Hein? Je le sais. Bien sûr, je sais que je l'ai dans mon cœur. Ça, c'est sûr. Mais je sais surtout qu'elle n'y est plus. Alors, je ne sais pas. Mais alors, vraiment pas. Mais alors, pas du tout. S'il y a de l'autre côté. Je n'en sais rien s'il y a de l'autre côté. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais que de ce côté, elle n'y est pas, elle n'y est plus. Et je ne sais pas si de l'autre côté, elle y sera. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal d'être comme je le suis, agnostique, c'est-à-dire de ne pas être convaincu que Dieu existe ou ne pas être convaincu que Dieu n'existe pas. C'est la position qui me semble la plus juste. Hein? C'est pour ça que j'ai cette position. Alors, je te le répète, aujourd'hui, je pense très fort d'abord, j'arrête pas de penser à celle qui m'a quitté, premièrement. Deuxièmement, je pense très fort à cette phrase que j'aimais de Nietzsche qui était « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et pendant des années, cette phrase, elle m'a servi.
elle résonnait dans ma tête. Et quand je l'entendais et qu'il m'arrivait quelque chose, je me disais, ben, ça t'a pas tué, mais ça t'a engaillardi, ça t'a permis de continuer le combat. Mais aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis son départ, cette phrase n'a plus de sens. Elle n'a plus aucun sens. Plus du tout de sens. Plus du tout. Cette phrase n'évoque plus rien pour moi. Par contre, le personnage de Zarathoustra, lorsqu'il va dans la caverne, et c'est-à-dire l'ermite qui va dans la caverne, et qui s'adresse à Dieu, hein, qui s'adresse à l'Éternel, qui s'adresse au Tout-Puissant, et qui lui dit qu'il est l'égal de lui, qu'il est aussi fort que lui, qu'il est plus fort que lui. Je ne dirai pas ça, hein. Je ne dirai pas que je suis ton égal. Pas du tout, je n'ai pas cette prétention. D'autant que je suis entre deux et que je suis agnostique. Alors peut-être que oui, peut-être que non. Quand on est agnostique, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai envie d'être ce personnage qui va dans la caverne et qui s'adresse à l'Éternel. J'ai envie d'être cet ermite un peu révolté, peut-être même beaucoup révolté. Là, moi, je le suis pas parce que la vie m'indiffère. Non, non, pas du tout. Je le suis tout simplement parce qu'il arrive un moment où on est devant une sorte de décision à prendre, hein, une décision, on passe tous par là. Si on passe pas par là, eh ben, ça peut arriver aussi, hein, on peut partir avant d'avoir la décision à prendre. Mais il arrive tous qu'on a devant une sorte d'impasse où il faut absolument prendre une décision. Ben, je suis devant cette porte, je suis devant cette impasse et je suis devant ce moment. À ce moment où il faut prendre une décision. Alors ma décision est simple. Je ne peux pas vivre sans celle que j'aimais. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je n'accepte pas son départ. Je ne l'accepte pas. Et j'ai raison et je tourne, je n'en sais rien. Mais je n'accepte pas son départ. Et s'il existe une loi qui dit que c'est interdit de... qu'on n'a pas le droit de choisir, qu'on n'a pas le droit de se foutre en l'air, en somme. Hein, s'il existe une loi parmi les commandements qui dit ça, ben c'est ça l'objet de la révolte d'aujourd'hui. C'est là-dedans que je ressemble à Zarathoustra, c'est là-dedans que je ressemble à l'ermite qui s'adresse à l'Éternel. Moi aussi, je m'adresse à l'Éternel. Je lui dis, tu as fait partir celle, tu t'es pas empêché, tu n'as pas empêché le départ de celle qui était ma vie, tu ne l'as pas empêché. Pourtant, j'ai prié plusieurs fois, hein. Pendant des années, j'ai prié, hein, des mois et des années, j'ai prié. Mais son départ a quand même eu lieu. Alors, accepte le mien de départ, même si ce n'est pas l'heure. Accepte le mien de départ. Voilà. J'espère que ceux qui sont dans une situation analogue comprendront. Merci.